Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on va se pencher sur le calendrier de la Jump Festa 2017. Donc un calendrier 2017, comprenant à l'intérieur diverses illustrations. Vous avez été un certain nombre à me demander justement ce déballage-là, voir les illustrations proposées dans ce petit pack-là, puisque vous avez vu ma vidéo consacrée à l'événement japonais, j'ai pu récupérer Ce petit truc qui était par ailleurs gratuit, je vous le rappelle, il fallait juste avoir des stamps, compléter une feuille et puis basta. Bref, pour le coup, je vous invite à regarder ma vidéo Japon Dragon Ball à Gogo, je me souviens plus du titre, Dragon Ball à Gogo à la Jump Festa 2017. Et donc, on va découvrir les illustrations à l'intérieur. Donc, le petit calendrier 2017 de Dragon Ball. On commence avec une illustration connue. Voilà, avec Goku, Bulma et puis Goku en gros plan ici pour janvier. Bien sympa. Donc ça a la taille d'une carte postale hein, globalement. Oh tiens, attendez. Donc à la derrière nous avons quoi, des petites anecdotes, des petites questions, des petits jeux comme ça que je trouve sympa. Alors, je vous montre ça à la fin. Donc ici pour février, une illustration connue Dragon Ball avec Shenron et Goku. Shenron tenant ici la Dragon Ball 4 étoiles. Illustration, autre illustration connue. Goku avec ses amis, hop là, du terrible avec du Majin Buu, du Goku en Super Saiyan 3 Gotenks et Ultime Gohan, bien classe. Même chose ici avec du Goku, encore une fois Shenron. Beaucoup de Dragon Ball, hein, beaucoup de Dragon Ball, peu de Dragon Ball Z, quoique là, ça passe nickel, ça passe propre. Goku avec son fils sur un dinosaure, alors cette illustration elle est juste mais monstrueuse, j'adore. Donc la team avec Piccolo, avec Gohan, Goten, Trunks. En arrière-plan, on a ici du Buu, bien sympa. Classe, classe pour ici du Dragon Ball, encore une fois, avec une tenue traditionnelle pour août. Parce qu'en août, c'est les Matsuri. Les Matsuri, c'est les fameuses fêtes japonaises. Et puis, ils portent... Enfin, les jeunes et compagnie portent des petits yukata allégés, décontractés pour se promener, faire la fête entre amis dans des endroits assez culturels. Je trouve ça vraiment cool. Donc pour août, voilà. Ici, septembre, illustration connue. Gotenks et compagnie, j'adore la tête de Gohan. Il a une tête de bonhomme bien vénère, hein, bien vénère. Ici, octobre avec Freezer. Pourquoi pas? Octobre, il commence à faire froid. Freezer, bon, ça reste plus ou moins logique. Novembre, ouais, tiens, ils ont mis du Dragon Ball Super. Ici, on a donc Goku de Dragon Ball Super avec Hit face à face. Et on termine, forcément, je m'y attendais, pour Noël, décembre, donc la Team Z, nos amis, déguisés en Père Noël avec en avant Kame Sennin en Père Noël, ça le fait grave. Donc à l'arrière, on disait donc. Donc à l'arrière, pour de janvier jusqu'à décembre, nous avons des petites questions avec des petites anecdotes, donc de ce côté-ci, rien de spécial, la promotion des mangas Dragon Ball, donc voilà, ça reste sympathique dans l'ensemble, donc du Dragon Ball, des questions ni plus ni moins. Franchement, pour un produit plus ou moins gratuit à récupérer pendant un événement qui est également gratuit, je trouve ça vraiment sympathique. Donc, étant fan de Dragon Ball, choper ce genre de petit objet qui, je le rappelle à la base, je n'en voulais pas, mais c'est madame qui a insisté. Eh bien, c'est vraiment cool. Donc voilà, vous pouvez voir ici du Vegeta, du Freezer et compagnie. Hop là, et puis, puis la petite promotion de Dragon Ball Super au passage, le volume 2 qui est sorti. Voilà, voilà, ça reste vraiment, encore une fois, un truc sympa. Bon, il n'y a pas réellement de support, c'est vraiment dommage, donc je me suis dit pourquoi pas inventer son propre truc en faisant un truc comme ça, voilà. En mettant ça sur un bureau, ça reste vraiment sympathique. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.